Aujourd'hui, nous allons présenter un sujet typiquement lié au CICHC, c'est-à-dire la S1 et la S2. Il ne faut pas aussi les oublier. Ces élèves font partie de la lettre parce qu'elle est large. Alors ici, vous avez constaté que derrière nous avons essayé de travailler sur un sujet typiquement comparatif qui a pour thème général le roman et la science. Le pourquoi nous avons choisi aujourd'hui le roman et la science, parce que c'est un courant à chaque fois, toutes les présentations tournent autour de la thème de la science. Vous pouvez avoir roman et science, poésie et science, et littérature et science. Voilà, j'espère que nos explications vous serviront le plus plausible possible. Alors, nous vous invitons encore de vous suivre avec attention. Je vous remercie. Voilà, avant de démarrer, j'invite encore les internautes à s'abonner massivement en tapant sur la cloche de notification. Nous comptons sur vous en réalité. Alors maintenant, pour entrer dans le sujet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure au niveau de la présentation, nous avons aujourd'hui roman des sciences. Alors, si on dit roman des sciences, la poésie est exclue, mais la littérature est dedans. Mais dans la phrase de la Bible, on a choisi l'un des thèmes dans la Bible qui s'appelle le roman, qui accompagne aujourd'hui la science. Alors, je l'avais dit lorsque je faisais une des vidéos autour de la science et de la littérature, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs types de sujets comparatifs. On peut avoir un sujet où il y a le A moins, le B plus, comme je l'avais dit, la science négative, la littérature positive, ou bien le roman positif, ou bien la poésie positive. On peut avoir plus et moins, la science positive, la littérature inutile. On peut avoir A plus, B plus, la littérature utile, la science utile, ou bien le roman utile et la science utile, ou bien la poésie utile et la science utile. Ce sont ces différents aspects qu'on peut avoir. Mais le développement est toujours décidé par la consigne, si jamais cette dernière est l'équilibre. Alors, quel est le type de sujet qu'on a avant de poser la consigne? On va essayer de lire un peu. Les scientifiques savent conserver les événements du passé et même prévoir ce qui arrive. On s'arrête là, ça c'est le terme. Il continue. Maintenant, si la science savent conserver les événements du passé et prédire l'avenir, forcément, ça devient science positive, ça devient l'expression en plus. Maintenant, il continue. Les écrivains en général, les romanciers en particulier, voici ce que je disais. En particulier, tentent piètrement de les concurrencer. Forcément, ça devient aussi, ça devient aussi que le roman s'en est. Donc, pour cette formule, vous avez le A plus et le B plus. L'importance de la science et l'importance du roman dans la vie. Alors, comme j'ai dit, j'insiste encore, on pouvait avoir ici l'écrivain, ou bien la littérature, les écrivains, ça sera ce qu'on appelle la poésie en général. On pouvait avoir ici les poètes, ça sera poésie alors. Mais une poésie et science de moins. Aujourd'hui, nous avons un roman des sciences. Maintenant, pour décrypter ça, les scientifiques, ils savent conserver, c'est-à-dire, ils savent ne pas laisser en arrière, ils savent ne pas tuer le passé, c'est-à-dire, ils peuvent garder le passé. Ils peuvent garder le passé. Comment ils peuvent garder le passé? Par exemple, si nous prenons l'exemple trop bref, les nouvelles technologies de l'information, voilà, nous avons la reprographie, etc. On va y revenir. Et en même temps, prédire ce qui arrive. Par exemple, si nous prenons l'aspect météorologique, des fois, moi j'ai mis au cas qu'ils sont, voilà, il fait des prévisions sur le climat, par exemple, ou bien la pluie, est-ce qu'il fera chaud, est-ce qu'il fera froid, etc. Il interprète aussi ce qu'on appelle nos amis pêcheurs sur ce qui va se passer en pleine mer. Ça, c'est prédire ce qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est le certif. Maintenant, les écrivains en général, c'est-à-dire, il y a les écrivains, il y a un type d'écrivain dans ces écrivains, le romancier en particulier. Le romancier tente piètrement, il tente possiblement, il tente par exemple d'une manière très saine. Il tente d'imiter à 100% piètrement de les concurrencer. Le romancier concurrence lui, il concurrence ce qu'on appelle le scientifique. Ça veut dire que ce que les scientifiques peuvent jouer, les romanciers aussi cherchent à faire comme les scientifiques. Eux aussi, ils peuvent jouer les mêmes rôles, ou bien les mêmes missions, ou bien les mêmes fonctions que les scientifiques. Qu'est-ce que cela fait? Dans ce cas de figure, l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Dans sa reformulation ou bien dans son sens, il n'a pas le droit de reformer l'aspect scientifique au propos du climat du roman, ou bien il touche la partie roman et il laisse la science.
J'ai l'habitude de le dire à mes élèves, c'est un élève de série S, la reformulation, n'importe quel sujet que vous avez devant vous, il faut être fidèle au sujet. Si c'est deux aspects, reformulez les deux aspects. Si c'est un seul aspect, reformulez ce qu'on appelle un seul aspect. De marquer n'importe quel type de sujet, vous n'avez pas le droit de tronquer le sujet. Maintenant, pour confirmer ces résultats, regardez bien la reformulation. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les scientifiques et les romanciers sont capables de conserver les événements du passé et prévu le futur. C'est-à-dire que toutes les deux sont capables de le faire. Vous avez constaté qu'on a donné le rôle des scientifiques et le rôle des romanciers dans le sujet. Nous avons tenté de faire la même chose au niveau de la reformulation. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, vous avez A+, vous avez B+. Le A+, c'est la science très positive. Le B+, c'est le roman très utile. C'est la raison pour laquelle, au niveau de notre problématique, qu'est-ce que nous avons? Toutefois, la science et le roman sont-ils réellement utiles à la société? Si on pense à le passé, on prédit ce qu'on appelle le futur, mais forcément, on est utile à la société, que ce soit le roman comme la science. Ça, c'est la problématique soulevée par le sujet. Maintenant, l'élève peut faire sa situation sans autant bouger encore ce qu'on appelle la consigne. Dans ce cas de figure, il aura trois parties, quatre parties pour le moment. Situer le sujet, annoncer le sujet, reformuler le sujet et problématiser quand on s'arrête là après qu'on s'est concoulé au niveau de la pensée. Le pourquoi je suis parti aujourd'hui utiliser ce qu'on appelle cette méthode, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'au moment où je parle, on ne nous a pas encore dit que la pensée vous permet d'être de qualité. On ne la souhaite pas, je sais que vous ne la souhaitez pas vous aussi, mais vous pouvez tomber sur une pensée qui permet de vous. Donc vous faites, faisons comme si la pensée était fermée. De quoi il s'agit? De la science et du roman. La situation du sujet, science et roman, sont deux disciplines nationales au service de la société. Cependant, le rôle que chacun joue reste à apprécier par l'humanité. Maintenant, vous coupez la part. Ainsi, si certains privilégient la science, d'autres part contribuent en faveur du roman. Maintenant, vous avez suivi le sujet. Maintenant, vous annoncez. C'est dans cette logique que s'inscrit le sujet suivant. Vous ouvrez les guillemets, vous reprenez le sujet jusqu'à là. Maintenant, la troisième partie, elle est là, le sens de la reformulation. Autrement dit, les scientifiques et les romanciers sont capables de conserver les événements du passé et prévu le futur. Maintenant, si vous terminez, vous attaquez la quatrième partie de votre introduction qui s'appelle la problématique. Toutefois, la science et le roman sont réellement utiles à la société. Maintenant, l'élève est dans une disposition de décider au bout au niveau de sa conscience. Je l'ai dit tantôt. La consigne peut être fermée. Mais aujourd'hui, nous avons une consigne. Mais je donne souvent des conseils à mes élèves L. Mais ce seront les mêmes conseils avec les élèves S. Ne recopiez jamais la consigne. Parce que si vous recopiez la consigne, comme j'ai tenté de le dire, vous pouvez être exposé à des sanctions. S'il vous plaît, ça vous brûle de votre sang. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? On cherche d'abord une hiérarchie. Nous avons l'expression d'une part. Alors on continue. Nous avons l'expression d'autre part. Alors, les conditions qu'on appelle sa lecture, qu'est-ce qu'il a? La troisième partie, on peut avoir enfin, mais le papier nous fait comprendre effectivement qu'il y a une troisième partie qui est là. Maintenant, quelle que soit la forme, nous aurons trois parties. Est-ce que cette dernière partie, ce sera la réconciliation ou pas? Ça, le prix nous le dira. Maintenant, si vous êtes là, vous démontrez d'une part dans quel mesure, ou bien par quel moyen, la science est conservatrice du passé. Et visionnaire du futur. Alors, là, vous allez vous obliger de nous expliquer un peu parce que le tableau n'est pas si réglementaire que ça. C'est un peu resté quand même, mais c'est le bon guerre. Dans ce cas, l'élève dans sa thèse, qu'est-ce qu'il doit développer? Les aspects positifs de la science. Mais d'une part, démontrer comment la science peut conserver le passé, comme j'ai dit tantôt. D'autre part, vous démontrer comment la science peut prévoir ce qu'on appelle le futur. Voilà, pour conserver le passé, c'est très simple. Il y a la reprographie. La reprographie. Alors, après la reprographie, c'est le dit tantôt. Vous avez ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information. Si vous êtes là devant votre ordinateur, vous pouvez conserver ce qu'on appelle certaines choses. Quelques années après, si vous avez besoin de ça, vous pouvez revenir sur la dossier. C'est le dit tantôt. La reprographie, la reprographie, etc. Ça, c'est conservé. Maintenant, d'autre part, comment réussir la science et visionner ce qu'on appelle le futur? Jusqu'à présent, ne l'oubliez pas. Nous sommes au niveau de la thèse. On a la thèse. Elle doit composer de deux paragraphes. Premier paragraphe, le romancier est conservatrice du passé. Deuxième paragraphe, le romancier, le scientifique du moins, est visionnaire ce qu'on appelle le futur. Comment la science est visionnaire ce qu'on appelle le futur? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on appelle le mot discours d'intérêt.
Prenez ce qu'on appelle l'exemple de nos chers frères ou bien nos chers sœurs. C'est ce qui travaille, ce qu'on appelle dans le milieu de la pédagogie. Et enfin, la Bible attire notre attention, ce qui n'est pas encore arrivé. Ce qui va se passer demain, les températures, les températures, combien de degrés présents au Sénégal, à Dakar, à Kaolack, à Koungoul, etc. Alors, la mer, est-ce que la mer sera calme? Est-ce que la mer sera agitée? Etc. etc. Il faut aussi prévoir ce qu'on appelle la pluie qui peut venir demain, ou bien le vent qui peut venir demain, extra, extra. Ça, c'est le scientifique qui est visionnaire ce qu'on appelle le futur. Donc, dans ce cas, comme j'ai dit tantôt, premier partie, la science qui est conservative, la reproduction, la reprographie, ou bien ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information. Deuxième partie, vous partez à la ligne, vous dites ce qu'on appelle un autre ou bien un papier, vous démontrez comment la science qu'on appelle la vision du futur. Dans ce cas, vous passez ce qu'on appelle par les vidéos, le temps qui n'est pas encore là, est-ce que ça va pleuvoir, extra, extra, extra. Maintenant, si l'élève termine sa thèse, il ferme avec la conclusion partielle. En somme, la science est utile à la société. Maintenant, au niveau de la science, qu'est-ce qu'il a dit? D'autre part, vous trouverez le pouvoir de l'homme. Ça, c'est de la science. Parvient aussi à ressusciter le passé, à conserver le passé. Maintenant, comment le romancier faut conserver le passé? Mais c'est très simple, les romans historiques. Les romans historiques conservent le passé. Par exemple, si vous prenez notre cher sénégalais, M. Boubacar Bourdi Diop, dans les temps de la mémoire, Boubacar Bourdi Diop est revenu sur la vie et l'œuvre du lieu de la suite, du lieu du sud du Ouest, la lieu de Cabros. À l'université de Dakar, vous savez pertinemment, si vous lisez cette œuvre dont je viens de citer, dans l'exemple de la mémoire, vous allez comprendre que c'est déjà passé. Mais eux, jeunes comme moi, ou bien les jeunes, ils peuvent comprendre comment vivre ce qu'on appelle à l'université de Dakar, quelle était ce qu'on appelle ces actions de grâce, extra, extra. Ça, c'est le romancier qui est passé par là, le romancier du sud. Nous avons aussi d'autre part, c'est le Ousmane, dans les cours de Bois de Dieu. Maintenant, ici, vous continuez, le romancier pour prédire l'avenir, c'est-à-dire comme le scientifique. Le, si on a dit là, le scientifique est visionnaire du futur, le romancier peut être visionnaire du futur. Par exemple, si vous prenez les romans policiers, ce sont des visionnaires, les romans policiers, ce sont des visionnaires du futur. Et pourquoi sont des visionnaires du futur? Parce que souvent, malgré tout, tout écrivain qui écrit ce qu'on appelle ce type de roman là, le roman ce qu'on appelle policier, comme le commissaire Maigret de Zorro Simon, des fois, ils doivent attirer l'attention des lecteurs sur les comportements, par exemple, du prisonnier. Le présumé coupable, lorsqu'il est arrêté, bien entendu. Des fois, il peut même attirer l'attention de l'enquêteur. Pourtant, on n'a pas encore attrapé ce qu'on appelle le voleur. Pourtant, le roman est passé par là, le présumé coupable. Maintenant, on arrête, on essaie d'ouvrir une enquête devant ce qu'on appelle le procureur. On l'envoie ce qu'on appelle vers le mandat de dépôt. Jusqu'à présent, c'est le présumé coupable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le jour du jugement, est-ce que le juge sera incapable, il est coupable, il dit non, et le juge ce qu'on appelle la relâche, ou le juge ce qu'on appelle le requête. Ça, c'est le roman, ce qu'on appelle, qui s'appelle le roman pour le policier. C'est un roman qui peut prédire ce qu'on appelle l'avenir. Comment? Il peut aider ce qu'on appelle le juge, comme il peut aider ce qu'on appelle les autres qui travaillent ce qu'on appelle dans ce domaine-là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a constaté? Au niveau de la thèse, nous avons la science conservatrice du passé et visionnaire ce qu'on appelle du futur. Dans ce qu'on appelle l'alliance avec la vision, cependant, le roman peut jouer les deux groupes de la science. Le premier paragraphe de votre alliance, vous développez ce qu'on appelle le roman qui peut être ce qu'on appelle, conservatrice, ce qu'on appelle du passé, le sujet de passé, tiré du tantôt, les bouts de bois, les termes de M. Ousmane, ou bien ce qu'on appelle le cavalier et son nombre de l'autre là, comme elle s'appelle Boubacar Boris, Bourdjiop, quand il a parlé de l'Université de Dakar. Alors, la lueur du sud, bien entendu. Maintenant, ici, le deuxième paragraphe sur le roman, il faut démontrer qu'effectivement, le roman s'y peut prédire ce qu'on appelle le futur. Ça veut dire, si vous prenez les romans policiers, comme j'ai dit, il peut aider ce qu'on appelle les intérêts de l'autre qui travaille ce qu'on appelle dans sa même domaine. Comment s'appelle ce qu'on appelle le roman? Nous avons exemple, le commissaire Maigret de Zorro Simon. Maintenant, si vous terminez, vous mettez ensemble, ou bien ainsi analysé, ou bien voici quelques arguments qui démontrent selon lesquels le roman est conservateur du passé et visionnaire ce qu'on appelle de l'avenir. Maintenant, si vous terminez ce qu'on a dit, la troisième partie, vous justifierez que si science et roman conjuguent leurs efforts pour la réalisation de ces deux projets dans le monde, c'est-à-dire le projet du roman et le projet ce qu'on appelle de la science, l'humanité n'en serait pas. L'humanité ne s'en porterait que bien. Cela dit, c'est l'humanité qui l'a gagné. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce cas de figure, la première partie, il faut travailler sur la réconciliation.
comment la science et le roman sont ce qu'on appelle la société. C'est ça qu'on appelle la synthèse ou bien la réconciliation. La science et le roman sont la main dans la main pour le bien ce qu'on appelle l'humanité. Maintenant, comment? Toutefois, la science et le roman ne s'excluent pas en réalité. Au contraire, ils sont complémentaires. En d'autres termes, la science peut donner la main au romancier comme le romancier peut donner la main au scientifique et tous les deux regardent dans la même direction pour le bien de l'humanité. Par exemple, si nous prenons le domaine de l'axiologie, c'est-à-dire le bien et la mort, nous savons tous que dans ce cas de figure, la science est trop limitée. Alors, parce que la science, ne l'oubliez pas, est objective. Même si nous le roman aussi, il est subjectif. Pour les deux, dans ce domaine, ce qu'on appelle la main dans la main, comme j'ai dit tantôt, pour le bien de l'humanité. Donc, dans le domaine de l'axiologie, c'est-à-dire le bien et la mort, c'est le romancier qui prend en charge les besoins, ce qu'on appelle les scientifiques, qui vient en tant que les scientifiques. Maintenant, dans le domaine de l'objectivité, c'est le romancier, c'est le scientifique qui tend la perche au romancier. Autrement dit, science et romance sont la personne complémentaire. Là, je vais terminer sans pour autant déclencher dans les déclarations de l'université, M. François Rabelais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Science sans conscience, l'écrivain est là. C'est-à-dire, l'écrivain doit être ce qu'on appelle le scientifique. Il doit être conscient de la situation. Les deux sont la main dans la main pour le bien ce qu'on appelle l'humanité. Là, s'il est déterminé ce qu'on appelle sa synthèse, maintenant, il attaque sa conclusion. La conclusion, comme nous avons l'habitude de le faire, il y a ce qu'on appelle le bilan, l'opinion personnelle, la perspective. Quel est le bilan? Dans laquelle nous avons développé science conservatrice et visionnaire du passé. Nous avons développé au niveau de l'alliance, roman conservateur et visionnaire du passé. Ne poussez pas la synthèse en faisant le bilan de la conclusion. La synthèse n'a rien à voir avec le bilan. Alors, c'est très simple. Au bout du compte, il ressort de cette analyse que le roman et la science sont les mêmes débats. Ainsi, au moment où certains pensent que la science est capable de garder le passé et prédire ce qu'on appelle l'avenir, d'autres pensent que le roman peut faire autant que la science. Là, vous avez fait ce qu'on appelle votre bilan. Maintenant, vous prenez position. Est-ce que vous méritez en faveur du roman ou bien en faveur de ce qu'on appelle la science? En ce qui nous concerne, nous pensons que le scientifique ne peut pas être égal au romancier. Pour la seule et simple raison, la science est une discipline qui s'appelle objective. Maintenant, si vous avez pris votre position, maintenant vous ouvrez ce qu'on appelle la perspective. Alors, que serait alors la vie d'aujourd'hui sans ce qu'on appelle la science? Et vous avez terminé. Donc, nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de notre discours. Je vous remercie de votre aimable attention et en même temps, je vous invite encore à appuyer ce qu'on appelle sur la cloche. Pour vous abonner davantage. Merci beaucoup.